Le 21 janvier 1978, face à l'Angleterre, la France du rugby se découvre une idole. Pour son premier match international, le demi d'ouverture toulonnais Jérôme Dallion débute en fanfare. Il transperce la défense anglaise pour inscrire un essai d'anthologie. Dallion, adulé par tous, récidive lors des deux matchs suivants. La France vient de trouver le demi de mêlée susceptible de remplacer Fourou. Tout est pour le mieux. Et en plus, Dallion est un garçon modeste. Je crois que enfin, tout ce qui est gloire, presse, tout ça, à 22 ans, on est un petit peu inconscient, insouciant. Je crois que c'est secondaire. Pour moi, j'ai joué un match derrière le pack français. Je suis fier, je suis ému. Et pour moi, je crois que c'est essentiel. Malheureusement, sa fierté en prend un coup 2 ans plus tard. Écarté de la sélection pour un test match contre l'Afrique du Sud, Dallion en prend ombrage, se fâche avec son entraîneur. En étant 1980, commence la traversée du désert. Il faut attendre 3 ans pour revoir le nom de Dallion dans un match officiel. C'est le 26 octobre dernier, contre l'Australie. En un match, Dallion reconquiert public et sélectionneur. Oublié alors les querelles d'antan, Dallion reprend goût à l'équipe de France et ne veut plus parler d'autre chose que de son match contre l'Australie. Au niveau des lignes arrière, le rugby français présente plus de qualité. Et c'est appréciable. Je crois qu'au niveau des avants, au niveau du défi physique, il n'y aura absolument aucun problème. Et le point le plus particulier, je crois que c'est d'essayer de retenir ces avants australiens qui ont tendance à beaucoup bouger, à essayer de les retenir dans ces mêlées et les forcer à venir dans ces regroupements. Souhaitons qu'il ait raison et que ce premier test soit pour lui le début d'un nouvel envol. Alors Jean-Louis Davedi, vous aimez bien Dallion, vous l'aviez bien sûr, d'ailleurs tout à l'heure, je ne me serais pas permis, mais j'avais envie de vous couper la parole quand vous avez dit qu'il a été très contesté, très critiqué depuis cette époque magnifique. Il a été contesté et critiqué, certainement pas par le public, et certainement pas par les amateurs de rugby qui ont toujours été fous de Dallion. Il a été contesté et critiqué au sein du pack des sélectionneurs, comme on les appelle gentiment, où il ne s'était pas fait que des amis. Oui, Piquet notamment, il n'était pas très Piquet notamment, et puis je veux dire, il n'y avait pas que Jean Piquet qui n'aimait pas Dallion et qui préférait d'autres joueurs. Et puis l'année dernière, grâce à un autre sélectionneur qui s'appelle Roger Etcheto, un Basque, de la grande famille des Dogés. Le rapprochement politique, diplomatique, a été fait entre Jérôme Dallion et les sélectionneurs qui ne l'aimaient point ou qui ne l'aimaient plus. Et enfin, nous, publics, nous avons droit à nouveau à voir ce merveilleux joueur évoluer sous le maillot de l'équipe de France. La seule chose qui me ferait vraiment peur, c'est qu'il entre en scène, j'allais dire qu'il entre sur le terrain, angoissé par l'idée de déplaire après une aussi longue absence. Mais il a un grand, grand talent. C'est une fête, c'est une chance que de le revoir avec l'équipe de France. Contré par Dallion. Dallion. Essai. Bravo Jérôme. Il a magnifiquement contré ce coup de pied. Ah, quelle belle rentrée de Dallion. Dallion, rejoint de votre heure. Oui, Carbonel a pu passer à Fournier, quitte à pas suivre. Carbonel, oh là, Dallion va marquer. Essai de Dallion, et Toulon tout près du bouclier. La bonne récupération de balle, Toulonnaise, qui donne à Dallion pour un essai. Et Dallion a retrouvé ses jambes, s'il l'a souhaité, qu'il ne s'est jamais perdu. Regardez.
Allez, Galion, première action, il donne. En fixe, deux contre un. Coup de pied à suivre de Bouvier. Celui que vous avez vu en début de match. Le rebond va être favorable à Carbonel. Lequel va donner à Galion. Et Galion s'arrache. Attendez, champion, ça fait 12 ans que je fais des phases finales, je croyais désespéré. C'est pour cette année, c'est fabuleux. C'est la folie, pendant 3 mois, ça va être la folie, je vous le signale. Je vous le signale, on a un an de péter ça, après on verra après. Si on n'a plus, on verra après. Hein ? Merci. Ça, c'est beau, ça.